Eh bien, c'est tout le monde, c'est Xeskai. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour du Demon Slayer. Alors, faut que je vous explique vite fait ce qui s'est passé. Donc, en gros, j'étais en live, j'ai fait le jeu avec la musique activée, et je me suis dit, je vais garder les rediffs, je vais vous les proposer sur YouTube, ça va sûrement passer, tant pis si je prends des droits d'auteur, la monétisation, on s'en fout. Et ce qui s'est passé, c'est comme vous pouvez le voir. Bah, sur le screen qui s'affiche sur votre écran, c'est que sur les trois vidéos, il y en a deux qui se sont fait littéralement bloquer. Donc voilà, je comprends pas pourquoi est-ce que sur Twitch TV, j'ai rien du tout. Il n'y a aucun son qui a été supprimé de la bande, pas de DMCA, rien du tout. Et sur YouTube, bah, bizarrement, bah non, en fait, sur YouTube, c'est casse-toi, rien à foutre. Vous voyez pourquoi YouTube par moment c'est un petit peu chiant pour les droits d'auteur, parce que même quand tu te dis Osef, vas-y, on va faire en sorte que les abonnés profitent des musiques, YouTube il te dit ah ben non, en fait j'ai pas envie que les abonnés profitent des musiques même si je nique ta monétisation. Là c'est un petit peu le problème quand tu fais un jeu basé sur un animé manga et qu'au final bah tu réutilises les musiques officielles, je suppose. Personnellement, moi ce que j'ai entendu sur le jeu en termes de musique, je trouvais pas que ça ressemblait réellement à musique de animé, mais bon, c'est pas grave, hein, écoutez. Hein. Donc voilà, donc du coup, on peut rien y faire. J'ai essayé, je vous jure, j'ai essayé, mais. Voilà quoi, c'est. Pète-noix. Oh, Hokano Sankasha da. Demo, Mio ni Odo Odo stay to Yuka. ただの風なの？風なら風って言ってよ！もっとそういうのやめて！いきなり風が吹くとか、心臓が口から出てくるから、本当に！一人で驚いて、一人で怒ってる。ただでさえ周りは暗いし、鬼がうろついてるし！何なの？何なんだよ、ここ！なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの！俺嫌だって言ったのに！今度こそ出たんでしょう。もういや。やっぱり風で木が揺れただけなんだけど、参加者にもいろんな人がいるんだな。木が倒れて通れるようになってる。Maintenant, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble avec les musiques, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne Twitch TV. Je crois que la vidéo est encore là. J'ai pas regardé récemment si les musiques se sont fait têche, mais voilà quoi. Et comme vous pouvez constater sur la carte, bah, j'ai tout débloqué vu que voilà, c'est ma sauvegarde de stream donc. Ah mon dieu, il court! Ah mon dieu! Encore un énième combat qui va se passer de la énième même façon. Allez, hey, let's go! Bing, 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 bing! Triangle, triangle retourné, triangle, on dash, on re-shop et hop. Un petit peu dommage que les combats se passent toujours de la même façon. Et surtout qu'on peut même pas utiliser la super technique d'éveil pour affronter des ennemis basiques, c'est uniquement sur les boss. Allez hop, 1, 2, 3, hop, on refond sur lui, hop. Après, hop, quand tu vois qu'il brille, tu recules. Rien de compliqué. Enfin, je trouve les combats un petit peu moins intéressants que sur Naruto. Je sais pas pourquoi. Je les trouve légèrement moins dynamiques. Mais toujours aussi stylé. Ça, y'a rien à redire dessus. C'est toujours aussi stylé. Bon, where is the boss? Vous savez très bien vers quel boss on va aller, de toute façon. Sagata Tenjiro, Sagata. Nanda. これは手形なんて大きさだ。
周りの木がなぎ倒されてる。Je fonce directement à l'objectif. Hein. Quand on fera des missions où est-ce que j'ai pas tout fait, limite, on checkera tout, mais là... キツネ小僧、今は明治何年だ？今は大正時代だ。大正、年号が、年号が変わっている。まただ、また俺がこんなところに閉じ込められている間に。許さん、許さん。鱗だ決め、鱗だ決め、鱗だ決め、鱗だ決め。En fait, je suis même pas sûr qu'on puisse faire la technique d'éveil sur les boss. Yep. Oh merde! Eh merde, j'ai oublié qu'il le faisait deux fois. Mais de la Chine. Oh merde, des cailloux. Hop. Hey la grosse vache. Fureur, non. Oh là là, tu me balances des gros cailloux à la tronche, qu'est-ce que j'ai peur. Oh non, il m'a chopé. Waouh. Ah, ah ben non, en fait on peut pas, même Ah, je suis encore tombé dans le piège. Ah, il est tout vénère. 1, 2. Dans le dos. 1, 2. On retourne. Quitte. Non, je pense pas. D'où? J'ai esquivé. Fous-toi de ma gueule. J'ai de la merde, désolé. J'aurais sûrement pas le grade S pour lui, c'est pas grave. まだ動けるのか。弟の茂の声が聞こえた。あれが聞こえなかったら危なかった。ありがとう茂、頼りない兄ちゃんですまない。抵抗したって無駄だ。大きくなっている。冷静に、冷静に。それでいて心は強く、呼吸を整えるんだ。お前、本当に鱗滝の弟子か。Pas sympa de dire ça, dis donc. Ah merde.
Eh oui, t'es pas content. Eh ma grosse. À droite. À gauche. Plus rien. Ok. Aïe, boum boum. Arrête de t'énerver. Oh là là, t'inquiète pas. Ah mon dieu, il est tout gros, trouve tout flamme. Waouh. Oh là là, j'ai peur. Ah oh. Oh. Allez, ça a l'air de douiller, ma grosse. Eh ben, il douillera pas. Ikuzu. Ah, comment je cours. Regardez comment je cours. On dirait un lapin là. Je crois que c'est que deux, hein, façon là. Allez, douille. Allez, c'est bon. でもね、空中ではこの攻撃を交わせない。弾かれた。全集中。水の呼吸。大丈夫だ。俺の首は硬い。こいつは切れない。一の肩。 悲しい匂い。 神様、 どうか この人が今度生まれてくる時は 鬼になんてなりませんように。 サビト、マコモ、そして殺された他の子供たち、勝ったよ。もう安心していいよ。 約束通り帰るんだろう。魂だけになろうと、サギリ山へ。大好きな、鱗滝さんのところへ。 4人、20人くらいいたのに。死ぬわ、死ぬ死ぬ。ここで生き残っても結局死ぬわ、俺。おかえりなさいませ。おめでとうございます。
お無事で何よりです。で、俺はこれからどうすりゃいい？刀は？まずは大服を支給させていただきます。体の寸法を測り、その後は階級を刻ませていただきます。階級は木の枝から水の戸まで10段階ございます。今現在皆様は一番下の水の戸でございます。刀は？本日刀を作る鋼、玉鋼を選んでいただきますが、刀が出来上がるまで10日から15日かかります。その前に今から皆様にカスガイガラスをつけさせていただきます。カスガイガラスは主に連絡用のカラスでございます。カラス？これスズメじゃね？どうでもいいんだよカラスなんて。刀だよ刀。今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀。やめろ、この子から手を離せ。離さないならおる。ああ、なんだてめえら、やってみろよ。てめえ。お話は済みましたか？ではこちらから玉鋼を選んでくださいませ。ちっ。鬼を滅殺し己の身を守る刀の鋼はご自身で選ぶのです。多分すぐ死にますよ俺は。選べと言われてもどう選べばいいんだろう。全然わかんねえ。そうか、5人も生き残ったのかい。優秀だね。また私の子供たちが増えた。どんな剣士になるのかな。ようやく解放されたと思ったら、体中が痛く、疲労が一気に押し寄せてきた。ねずこ、うろこ滝さん。生きて戻った。
Oh là là, c'était beau! C'était beau! Bon, prochaine vidéo, on va ici. D'ailleurs, je crois que j'avais foiré un combat. Ouais, j'avais fait un A à la place d'un S, donc du coup, j'ai fini avec un A, c'était chiant. Mais bon, allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et donc, prochain épisode, le chapitre 2, le démon du marais. Démon du marais. C'était pas un marais, c'était... Ah oui, c'est vrai que si on voit comment il est fait, c'est vrai que techniquement, ça peut être considéré comme un marais. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la oui attitude. Et encore, franchement, désolé que je ne puisse pas mettre les musiques. Je vous jure que j'ai essayé. Je ne mens pas. J'ai vraiment voulu vous laisser toute l'expérience avec de la musique. Mais ça passe pas, donc ben on va jouer selon les règles de YouTube, hein, c'est-à-dire sans musique. Allez, je vous laisse. Sur ce, ciao, bye, bouti. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les loulous. Peace.